Que se passe-t-il ? Rien pour le moment, mais j'ai un pressentiment. Philippa et Margarita veulent me parler. À quel sujet ? Elles ne m'ont rien dit, mais j'ai ma petite idée. Je suis sûre qu'elles veulent m'informer des grands projets qu'elles ont pour moi. C'est une conversation que tu n'éviteras pas, mais je peux t'accompagner si tu veux. Oui. Avec toi à mes côtés, elles seront plus prudentes. Je n'en suis pas si sûre, mais deux têtes valent mieux qu'une. Allons-y, inutile d'attendre. Vous vouliez me parler ? À toi, oui. Pas à Gérald. Gérald Trest, où je m'en vais. C'est sans importance, Phil. Il l'apprendra, de toute façon. Très bien. Tant qu'il ne m'interrompt pas. Faites comme si je n'étais pas là. La loge avait autrefois de grands projets pour toi, Phil. J'imagine que tu n'as pas oublié. Une fois tes études terminées, tu devais rejoindre nos rangs. Hélas, les choses ont mal tourné. Nous avons l'intention de reformer la loge. Et nous renouvelons notre proposition. Rejoins-nous. La pauvre Sheila n'est malheureusement plus de ce monde. Mais les circonstances nous interdisent de porter le deuil. Que décides-tu ? Rejoindras-tu nos rangs ? Quoi ? Pour épouser un prince et devenir votre marionnette ? Comme avant ? Tu n'étais qu'une enfant, Ciri, et nous avons mal jugé la situation. Cette fois, nous te proposons une alliance. La loge des magiciennes est illégale sur tout le continent. Tout ce qui t'attend si tu les rejoins, c'est la persécution. Roi et royaume ne sont pas éternels. Contrairement à la magie. Tu as une grande destinée à accomplir, Ciri. Et avec nous à tes côtés, tu ne peux que réussir. Nous pouvons t'apprendre à contrôler ton pouvoir, à canaliser... Mais j'ai déjà Avalar pour ça. Ah, et tu acceptes ça, Gérald ? Tu crois vraiment que ses intentions sont pures ? Je n'ai aucune confiance en lui, pas plus qu'en toi. Mais c'est à Ciri de décider. Les sages ont toujours des secrets bien enfouis. L'altruisme n'est pas dans leur nature. Tu n'es qu'un outil entre ses mains, même si tu l'ignores. Nous pouvons t'assurer savoir et protection. Mais tu resteras seule maîtresse de ton destin. C'est bien plus que ne peut te promettre Avalar. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Réfléchis à notre proposition. Et reviens nous voir quand tu seras prête. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter... Allons prendre un peu d'air frais. Alors ? Je ne sais pas... Je n'ai pas envie d'en parler. Je vais aller prendre l'air. J'espère qu'elle... Elle va s'en remettre. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air. Avalar a demandé à te voir. Tu devrais lui rendre visite.